Located in the northeast of Mali, the region of Minaka is inhabited by a Kelta Mashek community whose main activity is nomadic and transhuman pastoralism. For several years, the Fulani communities of Niger, practicing the same pastoral activities as the Malian Kelta Mashek, migrate with their livestock in this part of Mali. At the beginning of the rainy season and agricultural activities, they arrive in this area to avoid the croplands of sedentary farmers. This sharing of natural resources began to generate problems in the 1980s, when a conflict broke out between the Fulani and the Daoussa communities around a well in the Infoukaretan area. Nous, on ne peut que retenir que ces événements, la situation, en tout cas dans le Nord, a commencé depuis les années 80. À ce stade-là, quand même, les cohabitations entre les communautés étaient très bonnes. Et quelque part encore, il y a des petites poches de vol de bétail, mais ce n'était pas tellement alarmant. Jusqu'en 90, avec le déclenchement de la rébellion, où cette fois-ci, les communautés se sont armées. Et on a vu que quand même au sein de la communauté Touareg, des armes circulaient. Et ça a permis quand même aux ceux qui veulent le gain facile d'aller en tout cas piller et voler jusqu'à tuer les premiers. Et cette affaire a continué jusqu'en 1997, quand et malheureusement il y a eu un conflit entre des Peuls et des Daoussac sur un puits dans la zone dans le cercle de Menaka, où en tout cas des Peuls ont été massacrés. Et les survivants sont rentrés au Niger, eux aussi ils ont en tout cas fait des représailles sur la communauté d'Aoussa. Je crois que tout est parti de là. La communauté d'Aoussa est une très grande communauté. C'est comme si on généralisait tous les Touaregs. Tous les Touaregs ne sont pas bandits, tous les d'Aoussa ne sont pas voleurs. Il y a des petits des groupes d'Aoussa. Il y en a, il faut les nommer. C'est la zone aurifère. C'est ici qu'est caché l'or. Tout le monde vient tirer un peu pour mettre dans son sac. Il va le vendre quelque part, il revient. Donc si on veut faire la vraie histoire, il faut que l'on dise que c'est X le voleur. On cherche X. Et si on généralise, c'est ce qui amène maintenant au peul et à tout le monde de se révolter les uns contre les autres. C'est pas bon, c'est incitatif. Following an analysis of the root causes of this conflict, which is ongoing, and the actors that animate it, the Center for Humanitarian Dialogue, which intervenes in Mali since 2011, has taken measures to bring the two communities together so that they can negotiate and find a final resolution to the issues opposing them. Comment l'avons-nous fait? D'abord, l'analyse du contexte qui nous a permis d'identifier les différentes parties en conflit, les causes premières du conflit, ainsi que les différentes alliances qui ont été forgées. N'oublions pas que c'est un conflit qui date des années 80 et qui a eu pas mal de mutations. À cela, s'est suivie la rencontre avec les leaders communautaires Peul et Daoussac sur le terrain, pour lequel nous avons commis un consultant, une personne neutre. Et ensuite, la rencontre avec les leaders au niveau de Bamako et de Niamey, qui pouvait avoir une influence positive ou négative sur le déroulement du conflit. Le deuxième point était l'organisation de la rencontre de négociation elle-même, où il s'agissait de rapprocher les différents points afin qu'ils puissent arriver à un consensus. Et là, nous avons fait une synthèse de ces différentes solutions proposées. Ce qui nous amène au troisième et dernier point, qui est sur la signature de cet accord, où les solutions proposées ont été prises et ont servi de base à la rédaction d'un accord, qui a été validé par les deux parties et signé en présence des gouverneurs de Menaka, qui représentaient les autorités du Mali, et le gouverneur de Tillabéri, qui représentait les autorités du Niger. The highlights of these meetings took place during the debates on cattle rustling, the exclusion of certain communities in the exploitation of pastoral resources, and the failure of transhuman pastoralists to respect the habits and customs of the host communities. Qui a l'habitude d'aller jusqu'à les terres salées de Menaka? Parmi les Peuls. Mais l'idée que chaque fois, systématiquement, un Daoussa, c'est un Malien, un Peul, c'est un Nigérien, il est Nigérien, c'est faux. La preuve, voilà, il est né, il se sent plus Malien que qui que ce soit. Moi, je pense qu'il y a des chefs traditionnels dont les parents ont hérité de bravo, ils ont combattu le colon, mais qu'est-ce que ça leur coûte de s'asseoir pour régler le problème de leur administration? On veut faire coûte que coûte d'un Peul
depuis sa naissance, ses ancêtres, il fait sa transhumance dans un espace. Maintenant, coûte que coûte, on veut le confiner dans, entre les champs de Charma ou de Sorail, de Tilaberi, sans aller là-bas. Eh bien, j'ai lu le rapport d'un peu. Il a dit qu'il veut, il préfère être escroqué à moitié de son troupeau qu'on le laisse aller sur les terres salées. Ici, dans cette frontière, ça fait 7 ans que le Mali n'existe pas. Mais alors, pourquoi les vols ne se sont pas multipliés? Le chef Alpha Rock avait dit, quand ils se sont rencontrés, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un bouc qui a été volé entre Talamsas et Tamana. Est-ce que vous connaissez cette zone? Non. Je crois que vous ignorez cette zone. Pour dire qu'un chef qui est là-bas, il veut dénoncer un voleur. Moi, je crois que vous ignorez, c'est une bande où il n'y a aucune autorité. Le problème majeur, c'est le vol du bétail. Les textes illicites qu'on prélève, soit au foncement de plusieurs, soit le transhumance, et qui s'achève le plus souvent par l'élimination pure et simple de l'homme par l'homme. Le gouverneur a dit de dénoncer ceux qui ont armes, autant d'individus que d'armes. Tout le nom de la frontière. Oui. Tout le monde est armé. Oui. CHD n'a pas été dans la zone. Moi, je viens de là-bas. Je sais que les problèmes, ce n'est pas les pères et les obsacles seulement. Il y a des communautés plus pires que les pères et les obsacles. Pourquoi cette exception-là? Pourquoi faire d'obsacles? En 2007, premier Kalwato Kan Ayaya, la rébellion qui est. Ika Manaka, ina Manaka Kar, Soho, Isimtinga Yoya, Il Yoya, Matil Gondo Bob, Iga Yo Amadi, then Gandhi in the Nubi, Inga Yoya Noigan. Kalatao San Quaker Dugadi, Imaka Ima Hamsugo Hawaii, then Gandhi in the Nubi, then it is Zank Hano, Imami, Kalgiro Kan in the Ataji, in Gonda Zanka for the Nebuba Boy. Dao Sak Dogoritan Muhammad Akbar, Ali Aga Wiyam. Wat kula ka tu ama ka ni zera ma tu ir mo koy ma ci hinoshi inga mo abine ani so ay ga koy ka wi ir koy tali me hanti no koy cino ra ama no muhammad baraka atire aka ga du ga wando te ngi sa kancha 12 kilo mini ka fi 12 kilo no koy mini ka si i ka ta maraka taw so ne ka ka maraka i ka ka ir etake ina bor waraka tu di wi ina ir bongo ne wi ina After great debates, often heated and imbued with emotion or even tears, both communities were able to agree on rules to be implemented in order to peacefully exploit the natural resources within the border region between the two states. The results of the 3 days of discussions were drafted in a document signed by both parties to the conflict under the auspices of the governors of Minaka, Mali, and Tillaberi, Niger. Suite à la rencontre tenue à Tillaberi les 11, 12 et 13 mai 2016, les communautés Daoussak de Talatei, Mali, les communautés Peul du Niger, dénommées ci après les parties prenantes, pour lutter efficacement contre le réseau de voleurs des animaux actifs de part et d'autre de la frontière, les communautés s'entendent sur interdiction stricte de toute transaction en dehors des marchés reconnus par l'État. Article 11. Tout différent né de l'application ou de l'interprétation du présent accord sera réglé à l'amiable. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. C'est le souhait de la paix qui continue. Je remercie à ce que ici je vois les deux gouverneurs ensemble, de deux régions frontalières. Ça, c'était déjà une bonne chose. Pour moi, j'ai facilité la signature. Pourquoi? C'est pour faciliter le processus de paix entamé par HD en allant vers la paix. Midoyet bandirabe am haabe idaw sani be himbe gomnati himbe proje be
mido yotte be korei I potal ki be malli men hibe korode be fat hewti balde tati be torro be jana gada amen men getta be korei korei bandiraabe amen e wobbe ni der sappabe fulbe yoybe abala do gonduti I himbe inna ta himbe tile beri mido yotta be korei korei I gomnati mabbe governor mabbe o mo mali do minika mido yotta be korei korei e balla ka be malli men mido yotta be korei korei idabel majjum balla ka be balli men hakkine rimda ga men bibbe baba amen e dawsani be be mari be men dimda e be beida ben warbe warbe be men nangini ben hori be men gidi. Nous sommes témoins à un événement très important qui nous coûte, nous tous, très cher. Donc, ce que je souhaite et ce que je demande aux signataires et même ceux qui n'ont pas signé, que chacun de nous mette dans son cœur une volonté réelle d'avoir la paix. C'est Dieu qui donne la paix. Ce n'est pas dans les mains de Dieu, ce n'est pas dans les mains de Dossac. Ce n'est dans les mains de personne. Au sortir de cet atelier, nous, communauté et leaders, nous nous engagerons à établir cette paix. J'exhorte tous les participants à œuvrer collégialement pour aboutir à cette paix. After the signature of the agreement, every community officially handed a copy to the authority representing their state. This outlined the official nature of the agreement. Nous sommes du côté du Niger très heureux de la signature de cet accord. Et au nom du président de la République, chef de l'État, Alhaji Issou Mamadou, au nom du premier ministre, chef du gouvernement, Birgit Raffini, je vous félicite vivement pour l'aboutissement heureux de cette négociation. Et je suis sûr que le président de la République portera donc une oreille attentive à vos doléances. Et ce que je vous demande, ce n'est pas seulement la signature, c'est le respect de cette signature dans cette zone. Ça, c'est notre souhait. On ne veut plus entendre cela à partir de demain matin déjà. Et je voudrais simplement rappeler ici que c'est une rencontre entre pasteurs. Et en tant que pasteur, traditionnellement, l'espace pastoral est considéré comme un espace libre et ouvert. Vous l'avez certainement constaté, ce n'est plus le cas. Puisque ce n'est plus le cas, des problèmes surviennent et vous vous êtes rencontrés pour les évoquer, pour les distiller et pour trouver des solutions dans cet accord entre les communautés et les Daoussac, que nous saluons au passage. Accord important, puisque vous avez parmi vous les deux gouverneurs des deux régions, Tillabéri et Ménaka. Pour ma part, j'ai une région à sortir des terres, mais j'ai quand même pris le temps de venir vous voir pour vous dire que je crois en vous et je crois en cet accord et je crois en la paix. The signing of the agreement of Tillabéri was appreciated by all the communities and the authorities of Mali and Niger. In spite the fact that it was well received, the agreement remains very fragile as the Daoussac communities of Ménaka and Enderan-Boucan were not able to travel to Tillabéri. Therefore, they are not signatories of this agreement. The Center for Humanitarian Dialogue also carried out a workshop in Banyibangu on cattle rustling in order to explain the contents of the agreement to those who had no knowledge of it yet and gain their full and entire support for the peace process. L'accord qui a été signé à Tillabéri, il était l'accord général. Mais comme la délégation de Ménaka et Enderan-Boucan ont été empêchés de participer à la signature de Tillabéri, ça a été signé par les deux parties présentes. Et maintenant, cet accord aujourd'hui va changer de nom. Ce n'est plus l'accord de Tillabéri entre les Daoussac de Telatei et les Peuls du Niger. Non, aujourd'hui, il s'appellera l'accord entre les Peuls du Niger et les Daoussac du Mali.
The signature of both agreements does not mean the definitive return of peace and harmony along the border region between Mali and Niger. However, both communities are committed to initiate an awareness campaign to inform all the populations living in this area about the agreement. The Center for Humanitarian Dialogue intends to continue building the capacities of the networks of community leaders in order to allow them to resolve the conflicts, which will arise within the framework of the implementation of the agreement through traditional mechanisms.